Vous savez quand on dit des trucs du genre « ça n'est que le début » ou « ce n'était que le commencement » ? J'ai horreur de cette phrase, parce que ça donne toujours l'impression que tout ce que vous aviez fait avant ne compte pas et que c'est seulement maintenant que ça devient important, ou dangereux, ou conséquent. Et... j'aime pas. Donc vous vous souvenez de tout ce que j'ai fait ici ? J'avais dit que ça m'avait pris quand même dans les 4 heures. Ben, je l'ai fait aussi ici, mais ça m'a pas pris dans les 4 heures, ça a pris plus. Mais déjà, de toute façon, bonjour tout le monde, ici j'ai le et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Hollow Knight. Ça commence à faire beaucoup. Je dis ça, mais il y en a genre plein dans Radiant Dawn et compagnie, mais... T'en fais beaucoup pour du Hollow Knight, je suppose, j'en sais rien. Surtout qu'ils ont tous la plainte, en général, mais bon. La dernière fois, nous avions essayé de faire le Panthéon du Chevalier et j'avais décédé violemment, comme c'est pas permis. Et depuis, j'ai fait le Panthéon du Chevalier normalement. Et puis, je l'ai refait avec toutes les restrictions. Et ce fut... Bah, honnêtement, c'est passé du premier coup. C'est passé du premier coup. C'est passé du premier coup. Ça m'a pris, genre... 5 heures. Yeah. Ah, sans charme, c'est une catastrophe. Alors, ça m'a permis de m'améliorer substantiellement sur le combat du... contre le vaisseau pur. Mais on va dire que ce fut... compliqué. Dur. Délicat. Je remarque qu'il y a un changement ici, donc je suppose que ça se met à jour automatiquement. T'es encore là, mon pote? Ouais, t'étais là, mon pote. Pour ce qui est du Panthéon du Chevalier, j'ai aussi trafiqué un tout petit peu mon mauvais menu. Les charmes que j'utilise, j'ai laissé tomber bon sang d'entaille rapide pour mettre... canalisation rapide, puisque ça me permettait de pouvoir me soigner régulièrement pendant le combat contre le vaisseau pur, et ça m'évitait de devoir le réaffronter encore et encore et encore. Je faisais moins toucher, mais disons que malgré tout, chaque coup, non seulement pique, mais aussi déstabilise, parce que vous savez, parfois, vous êtes parfaitement concentré, et le premier coup est le moment où vous cassez la figure de manière horrible. Et je tendais à avoir cœur indestructible parce que quand le boss, tout à la fin, vous inflige de dégâts, ça, un coup de plus peut faire une différence. Donc, je suppose que cœur indestructible remonte très légèrement dans mon estime, mais il reste selon moi pas nécessaire pour 90% de jeu. Un truc que j'ai pu vérifier est que si vous faites un Panthéon avec toutes les restrictions d'un coup, à la fin ici, vous aurez le tout qui brillera pour indiquer que oui, vous l'avez fait. Ça n'a aucune utilité particulière, à part que ça vous permet de dire « je l'ai fait ». Également, on a sur notre approche de ce machin. On a cette statue qui est sûrement... Ah non, c'était pas une statue. Je pensais que c'était un monument à notre gloire. Et en faisant ça, nous avons réussi à dégager les arbustes qui étaient ici. Je sais, c'est formidable. Tout ce travail juste pour un petit peu de jardinage. Donc on a encore les bons sens de Sandy qui montent, probablement pour nous indiquer que ouais, on l'a débloqué. On a une autre source chaude. Ici, je sais pas à quoi ça sert, probablement rien. Et ici, on a une sorte de passage secret, qui en fait a aucun intérêt réel, parce que vous pouvez aussi passer par ici pour atteindre cette zone, donc je sais pas. Mais bon. Et au sommet du sommet, nous atteint ce truc. Si personne ne l'a vu venir, alors je sais pas quoi faire pour vous. Car bienvenue dans le Panthéon d'Alonest, où nous allons pouvoir affronter l'intégralité des boss à la suite. Et cette fois-ci, ils y seront tous. Parce que pour ceux qui ont fait attention, dans le Panthéon du Chevalier, par exemple, on n'a jamais affronté le roi des cauchemars. Et là, si. Le Panthéon d'Alonest est le défi ultime, suprême, giga, craqué de la mort qui déchire, qui est proposé par le jeu. Ah, non seulement vous aurez affronté tous les boss, avec uniquement quelques salles de repos ici et là. Je crois qu'il y en a 5 ou 7. Mais en prime, tous auront, s'ils en ont une, leur salle en ascension. Puisque pour rappel, quand j'avais montré la mer Greuze, ou je sais plus quoi,
son arène en ascension changée pour qu'il y ait désormais trois plateformes au lieu du sol normal et des pics entre chaque. Donc, un certain nombre de boss auront quelques éléments pour les rendre plus difficiles. C'est surtout dérangeant pour les rêves du guerrier. Un certain nombre deviennent encore plus lourdingues qu'ils ne l'étaient, pendant d'autres sont totalement changés. Donc bon, je pense surtout à Zéro sans yeux et cette cochonnerie de Marcos. On peut aussi faire les bons sangs de restriction ici. Cependant, pour débloquer le sang de vie, vous en avez besoin que de 12. Non, 16. Oui, 16. Vous en avez besoin de 16. Ah, donc, ceux-ci sont du bonus. Il est à noter que si vous le faites, vous aurez moyen d'ouvrir une sorte de zone cachée qui est appelée la Terre des Tempêtes, il me semble, où nous pourrons voir d'où vient la chercheuse de Dieu. Et apparemment, ce qui est sous-entendu, c'est que la Terre où elle vivait avant avait des dieux qui s'appelaient le Dieu du Tonnerre et le Dieu du Vent, quelque chose comme ça. Futur me corrigera au fur et à mesure, parce que je dois admettre que je ne suis pas un expert non plus dessus, et je l'ai jamais vu. Et apparemment, ils sont morts, ou ils ont arrêté de lui parler, et ça l'a incité à chercher un nouvel endroit où trouver des dieux, ce qui est la raison pour laquelle elle est venue jusqu'ici. Également, à chaque fois que... Ah, attendez, on va faire plus efficace. J'ai le droit de faire ça? Ah, ouais. Oh, j'étais beaucoup plus haut que ce que je pense, c'est la vache. On a le droit de sortir d'ici, vous savez. Et si on s'en va, on pourra aller discuter avec la chercheuse de Dieu dans le monde réel et pas dans ses rêves. Sanctifier terre, fréquence, d'où. Il me semble que plus on entre et plus on sort, et plus elle aura de dialogue, genre elle se remettra de plus en plus de son état, je vous ai classique, les différentes lignes de dialogue. Je dois reconnaître qu'en général, quand je suis, une fois que je suis dans la maison des dieux, j'ai pas trop tendance à en ressortir. Tellement il faudrait, et oh, je crois qu'elle est là. Ouais, elle est là. Elle aussi, ça a l'air qu'elle sort. Je sais pas ce qui provoque ça. Oh, oh, mère, glagla, petite sœur, Candice, glagla, mère, je suis, mère, glagla. Ouais, bon. Évidemment, faudra quand même que j'aille discuter avec notre ami le chasseur, mais... Ah, j'ai faim. Non, plus avant, je le ferai avec une autre corvée si j'atteins mes objectifs, ce qui est discutable. À chaque fois qu'on voudra retourner dans ses rêves, on aura 2% de chance, semble-t-il, de ne pas arriver ici, mais dans une autre petite cinématique, enfin, cinématique scène, où on pourra trouver un syntoniseur divin rudimentaire et la chercheuse de Dieu qui est cachée dans un recoin en train d'expliquer que, ouais, elle aimerait essayer de trouver une nouvelle terre avec des nouveaux dieux pour essayer de réaliser son ascension, qu'est-ce que j'en sais. Et là, oui, maintenant qu'on ressort, maintenant, elle est debout. Avec une voix légèrement différente. Être étrange, est-ce que Ti nous a réveillés? Ressuscité ce royaume, ces dieux réglés sur la fréquence et vaincus brillent dans l'esprit, brillant, vif. Et ça, c'est quoi? Notre forme gonfle, grossit, non, immense, majestueuse, hibernation, si longtemps imposée à nous. Pourtant, la cause qui en résulte est forte, si forte. Ti regard adore, tu dois penser que je suis une déesse, amusant. Mais en vérité, Ti est confronté à l'énormité et à la beauté, vrai, Je sais qu'elle s'exprime bizarrement, mais je suis quasiment sûr que son dialogue en anglais est pas aussi catastrophique. Et ni aussi buggy. À l'honnête, même en déclin, c'est une terre glorieuse et Futurama va peut-être aller chercher le dialogue juste pour le principe. Jamais, jamais, les dieux ici ne mourront jamais. Je crois qu'en fait, elle exprime le fait que c'est une terre glorieuse mais mourante. Je veux dire, Grimm s'est un peu ramené pour faucher les flammes d'un royaume ruiné. Et elle doit se dire, non, 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 je suis pas venu jusqu'ici pour découvrir une terre morte. Je maintiendrai leur existence. Est-ce que t'as autre chose à dire? Qu'est-ce qui t'attire ici, être étrange? La foi? Ici, prends le syntoniseur divin et cherche les dieux, cherche qu'ils puissent trouver leur chemin, à l'écoute de la maison.
Récompense, récompense de service, tu pourras rester ici. Attends et regarde, magnifique coquille, notre beauté écrasante. C'est vraiment triste, que j'ai l'impression que la qualité de la traduction monte et descend constamment, ce qui est un peu triste. Et il y a ces bugs. Alors, pour ceux qui se disent c'est honteux, etc., malheureusement, il faut se rappeler que Team Cherry reste une petite boîte. Ils sont genre 4 dedans, 5. Et en prime de tout ça, le problème, et c'est l'une des grosses faiblesses des traductions, c'est que en général, il y a pas beaucoup de gens qui vont s'ennuyer à aller tester les traductions étrangères. Dans le sens, la traduction française a été réalisée, cool. On va l'intégrer et on va dire que c'est fait, suivant. Mais bon. Donc pour revenir à ça, à ce truc, j'ai appris deux choses. Donc déjà, bien sûr, que le fait que si vous faites tout ces cochonneries de restrictions ensemble, vous avez un truc bonus. Mais il y a également, sur la gemme centrale, un effet spécifique qui ne sera visible que si vous avez fait le panthéon entier sans prendre le moindre coup. Ils sont tarés. Je sais pas qui a décidé ça. Le truc, c'est que si vous faites le panthéon avec les 4 restrictions, ça va remplacer l'espèce de pseudo-récompense visuelle que vous avez si vous l'avez fait sans prendre de coup. À l'origine, ils avaient prévu, je crois, qu'il y a eu un autre effet en plus du reste, mais ils ont décidé que c'était aller chercher trop loin pour ce qui était juste supposé être un petit « eh bravo ». Donc maintenant, vous savez ce qui va se passer. Bon, on va le faire. Je vais le faire avec ce charme-ci. Enfin, les charmes que j'ai maintenant. Mais, ouais... Ceci va être la joie et la bonne humeur et toutes ces bêtises. Pour ceux qui se disent, j'ai vraiment pas envie de m'ennuyer à faire tout le Panthéon, parce que je vais vous révéler un truc simple. Au fond du Panthéon, va nous attendre un boss bonus. Vous pouvez facilement deviner quel boss c'est, je pense, parce que sincèrement, c'est pas comme si c'était le seul boss qu'on n'a pas vraiment revu dans l'intégralité de tous ces combats. Et c'est pas comme s'il y avait de gros indices sur tout ce qui s'est passé dans les dernières, scènes et compagnie. Mais ce boss est super dur et les probabilités de le passer du premier coup sont quasi inexistantes. Donc c'est lourd. Et c'est un peu mon point avec ce panthéon, c'est qu'il est très long. Et ça peut être dur vis-à-vis des nerfs à force. Je veux juste que tu meurs. Donc, ouais. De manière générale, j'estime qu'il faut compter en fonction de vos capacités et de la manière dont vous jouez et ce genre de choses sur au moins entre 30 minutes et 1 heure pour passer le Panthéon. D'Alonest. Et quand je dis passer le Panthéon, j'entends le passer aller très très loin, pas juste crever à mi-chemin. Cependant, il y a un certain nombre de boss qui ont été rajoutés. Il y en a 3 qui sont accessibles... Oups, trop proche. Il y en a 3 qui ont été rajoutés. Donc, ouais. Aussi, petit truc. Quand il est capoute, vous pouvez balancer votre aiguillon des rêves sur son armure pour régénérer votre âme. Donc, ce combat, aussi bien cette version-ci que la suivante, est super pratique pour régénérer à volonté. Fiche. Ah, donc ça peut être lourd. Donc de mon côté, j'ai pas l'intention de m'acharner sur ce panthéon. Non, ça marche pas très très bien si j'ai pas en taille rapide, malheureusement. Ça marche mieux comme ça. Mais je peux pas continuer indéfiniment, parce qu'à force, je serai un peu à bout, à court de place, mais bon. Ah, donc je vais vous montrer une fois comme ça. Si j'arrive jusqu'au bout... bah écoutez, tant mieux.
Mais sinon, mon objectif va surtout être de débloquer les différents boss bonus qui s'y trouvent. Dont celui au fond, ce qui réclame que je batte le vaisseau pur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire tout avec toutes les restrictions, parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. Hein, parce qu'on va pouvoir récupérer 6 masques de... de sang de vie régulièrement. Et ce sang de vie peut s'accumuler, tant que vous ne prenez pas trop de coups. Donc si vous jouez très bien, ce qui, je le reconnais, est quand même en demandé beaucoup, parce qu'il faut s'assurer que vous preniez le moins de coups possible entre dans chaque combat, vous pouvez les accumuler et en avoir la blinde, mais bon. Malice, au-delà de la malice, nous ne pouvons pas t'échapper, même dans ce haut panthéon très haut. C'est un peu redondant, non? Ti qui manie les guillons, ti qui consomme mes âmes, et ti un messager des dieux, ou quelque chose de plus bizarre. Continue ti combat, nous ne ti défierons pas, nous allons écouter attentivement. Donc ceci est le moment où la chercheuse des dieux semble arrêter de nous mépriser, et nous observe à la place. Continue ti combat, petite chose étrangère, continue ti rituel, nous allons écouter attentivement. Oh, dieu de l'honnêteté, nous avons... Ouais, bon, ça t'a pas changé. Oh, c'est Gorb. Tiens, je pensais que c'était zéro. Donc apparemment, Gorb est considéré comme plus faible que zéro, c'est marrant. Gorb est un minimum lourd comme ça, essentiellement parce que, bien sûr, ça limite votre capacité à esquiver ses coups. Mais il a aussi parfois tendance à se téléporter en plein milieu des plateformes. Ce qui, je trouve, est un peu moche. Aussi, je ne referai plus jamais ces panthéons sans charme. Sauf si j'ai de très 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 bonnes raisons. Et je ne ferai jamais ce panthéon-ci avec des restrictions. Parce que déjà, le passé, une fois, va être pour moi une réussite. Parce que je ne l'ai jamais fait. Et il faudra que je le passe idéalement deux fois de plus. Non, tellement il faudra que je le passe deux fois en tout. Mais... si je le passe deux fois, déjà, je serai choqué, surpris et agréablement... aïe. Mais qui rebondit beaucoup plus que ce que je pensais. Ou me souvenais. Ah bref. Après avoir vaincu la version des protecteurs blancs en boucle, ouais. Non, parce que ne pas avoir de charme, ça rend les combats tellement longs. Vous avez pas de portée, vous avez rien. C'est tellement horrible. Oh, toi. À chaque fois, j'oublie son existence à lui. M'attendais à ce qu'il me fonce dessus. Aussi, j'aime pas parce que là, par exemple, ce truc a paru pile poil là où ça me dérangeait, quoi. Ah, bref. Donc, comme vous le constatez, j'ai encore beaucoup de marge d'amélioration. Tizo! C'est le combat optionnel bonus du... Non. Ils aiment vraiment pas Tizo. Je sais pas pourquoi. Mais... apparemment, ils ont un problème avec Tizo. Ou peut-être qu'ils ont compris qu'il était considéré comme... enfin, qu'il avait cette espèce de réputation de... de raté ou je sais pas quoi, et ils ont décidé de jouer un peu dessus. J'ose espérer qu'ils ont quand même demandé à moitié son avis à celui qui était à l'origine du personnage, parce que... pourquoi? Et bien sûr, ils sont très bas. Ce qui montre que les devs les considèrent pas comme si compliqués. Bizarre sans entaille rapide, mais bon, oups,
Et vous avez vraiment pas envie de me donner les attaques pratiques, les mecs. Ok. Bon, on va balancer un peu de dame. Oh, je pensais que c'était l'autre. Mais quoi, on va se soigner. C'est un peu la raison, parce que... Sans mentir... Concentration rapide est très appréciable à avoir. Le seul truc que j'aime pas avec ce combat, c'est que parfois, ils agissent un peu aléatoirement sur comment ils fonctionnent. Oh, je pensais avoir... Ok, là je joue comme une patate. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai la blinde dame. C'est pour ça que j'utilise très peu mes sorts, parce que je sais que je vais jouer comme une patate. Et j'aurais pu ne pas me soigner parce que, voilà. Donc régulièrement, on aura ces zones avec un bord, mais bien entendu, ça n'est pas un checkpoint. Si vous mourrez une seule fois, vous reprenez du tout début. Et si vous avez fait toutes ces cochonneries, vous allez avoir... Comment ça, 5 ? Je croyais que c'était 6. Je me suis complètement planté. Futurement à vérifier. Il me semblait que c'était 6. Bien entendu, cependant, si vous montez sur le banc, ça vous les retire. Donc, bon. C'est de l'arnaque si c'est que 5. Mais bon, c'est mieux que... Oh, 0. 0 est nul. De toute façon, de manière générale, j'ai appris à détester la majorité des rêves du guerrier. Il n'y en a que 2 que je tolère. Et je suppose que c'est U... L'ancien, parce que lui, il change quasiment pas, et il n'est pas spécialement aléatoire dans sa manière de fonctionner. Et, Galien. Parce que lui, il n'a absolument pas changé, il est exactement pareil, constamment raté. Lui, en fait, le truc, c'est que parfois, il relance une attaque avec une lame qu'il a déjà lancée. Bon, bah, j'ai grillé toutes mes trucs sur lui. Mais vous dire, j'aime pas son combat. Le concept, vous avez que dalle de placement et... Enfin, de position, enfin, de plateforme, et en même temps, vous avez... Et en même temps, il vous balance tous ses coups dans tous les sens, c'est irritant. Mais bon. Au moins, ça en fait un de passé. Malheureusement, il reste beaucoup. Mais ouais, donc l'idée, c'est que là, je montre jusqu'où je peux aller. Et ça risque de pas être si loin que ça, malheureusement. Oh, parce que je pense pas jouer particulièrement bien. Oh, c'est celle-là. Mais bon, on verra. Ben, je pense que au mieux, je vais probablement crever quand même contre le vaisseau turc, quand bien même je me suis entraîné la blinde dessus. Parce que vous savez, c'est quand ça compte plus que vous êtes le moins bon. Et autre, mais si j'arrive à passer le vaisseau pur, sincèrement, c'est monstrueux. Mais déjà, faut que je l'atteigne. Et faut que je le passe. J'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Tellement j'aurais dû balancer le cri des abysses, mais je suis radin. Ou peut-être que j'essaye surtout de me focaliser sur le combat à l'aiguillon, parce qu'à la fin... Oh non, vous... Vous passez en... En ascension était lourd.
Et j'étais obligé de vraiment y aller, et sans charme aussi, et sans âme. Enfin, avec la restriction sur l'âme. Je veux pas les imaginer en radia. Je ne ferai jamais rien en radia. Parce que c'est trop me demander. J'aime le droit à l'échec. Parce que l'échec est ma spécialité. Oh wow! Ouais, non, j'aurais. Mais crève! Combien t'as de PV? Ce truc est honteux. Dès que vous en tuez un, l'eau semble gagner double PV. Oh non! Mon combat préféré! Mauvais sens. J'ose pas. Arrête de me l'envoyer comme ça. J'ai dit arrête. Voilà, pas comme ça. C'est bon. C'est plus bon. Allez, ramenez-vous les deux autres. Non. Sœur d'armes. Voici le premier combat exclusif. Et cette fois, on a les trois ensemble. C'est énorme. Et il faut que je me concentre. C'est même pas la centrale qui y est passée. Ok, c'est pas le moment de crever, mon cher. Mais maintenant, elles sont désynchronisées parce que j'ai eu la... J'ai pas eu la centrale. Oh, sérieusement. Est-ce qu'une d'entre vous peut y passer? Ou est-ce que vous pouvez me faire l'autre version? Je peux me soigner. Oh! Il y a toujours un léger décalage entre le moment où vous pouvez utiliser le... la ruée et le soin. Et malheureusement, bah ouais. Toi tu... Comment tu fais pour avoir autant de vie? Ceci est un gros, il faudrait que je maîtrise un peu quand même, mais, hey. Descends. Pas génial, juste descends. Ouais, non, ça doit être ça qui... Donc vous gagnez 2, 2 et 1, c'est quand même de l'arnaque. Je pensais que c'était vraiment 2, 2, 2. Oh, Marmu. Marmu a que dalle changé par rapport aux autres. Il est un peu plus rapide, je crois. Et... mais... enfin, je suis même pas sûr. Alors, il continue de rebondir comme c'est pas permis dans tous les sens. Mais le fait d'avoir bloqué l'arène tout autour a aucun impact. Vous êtes supposé rester au centre et me faire rebondir de toute façon. Oh, toi...
Voilà. Au revoir, DS séduisante. Oh. Ok, il faut que je me réhabitue à ta version normale, apparemment. Parce que ce que j'ai fait aurait fonctionné sur ta version dure, mais pas sur... ta version facile. Quelle tragédie. Adieu mes masques bleus. Vous ne me servez pas beaucoup. Idéalement, je voudrais les empiler, mais pour ça, il faudrait que je sois bon. Ah, ah. Galien, poteau! Je déteste qu'ils puissent faire ça, par contre. Ils devraient pas avoir le droit de se mettre à léviter au niveau, au même niveau que vous. Bah dans le sens où s'il est au même niveau que vous, vous êtes à moitié bloqué entre lui et les attaques qui arrivent, vous pouvez plus facilement l'attaquer. Guess who? It's me! Hollow Knight! Hey, d'habitude tu vas au fond pour ça. Là par contre je crois pas que j'avais aucun moyen pour esquiver ça. Pas très honnête. Tiens, prends ça. Punk. C'était trop proche. Et là, il m'a bloqué dans un coin, cette espèce de méchant. Bam. Final. Ok, c'est presque comme si on avait passé deux panthéons sur quatre ennemis. Et j'arrive clairement pas à garder mes masques bleus, donc... Il y a du progrès à faire. Hé, hey, copain. Lui, plus j'avance et moins je l'apprécie parce que... Je me souviens qu'en ascension, il adorait balancer ça en boucle. Pourquoi ça en a invoqué qu'un seul, c'est toi? Plus l'attaque... Oh, ça c'est pas de bol pour moi. Où il invoque les... Voilà, celle-là. Et maintenant, je peux pas me soigner et je vois rien. Et en même temps, il y avait des trucs qui... Bah oui, mais j'ai pas besoin de me soigner, j'ai des masques bleus. Et l'ancien! Déjà? Ah, je sais pas qu'est-ce qui provoque l'arrivée de cette attaque, que je n'aime pas parce que ça fait que vous pouvez pas l'attaquer. De toute façon, l'ancien, c'est pas très difficile de le vaincre. Vous tapez comme c'est pas permis et dès que son attaque arrive, vous faites le. Vous utilisez la ruée des ondes. Si vous pouvez vous caser entre deux de ces espèces de tambourins où je sais pas ce qu'il utilise, c'est tant mieux, mais sinon, simplement la ruée des ondes, enfin, vous éviterez les attaques, les dégâts, peu importe. Peu importe ce qu'il est balancé. Oui, moi aussi, je suis content de te voir, Coco. Je vais reconnaître que le commentaire ne sera pas extraordinaire, parce que j'essaye de me concentrer, je veux essayer d'aller loin, je doute de le passer, parce que c'est un long,
une longue cochonnerie, une très très longue série de combats, et... bah... idéalement, c'est mieux de se concentrer dessus complètement que d'essayer de parler en même temps, mais que voulez-vous. Donc c'est vraiment pour ça que toi, tu m'énerves. J'aime pas énormément ce combat aussi, essentiellement parce que c'est un affrontement qui est très aléatoire sur comment l'ennemi va réagir. Mais... tout bord. La manière dont il retombe est aussi plutôt... hasardeuse. Et elle, derrière, n'arrange pas les choses. Oh wow, tu flottes beaucoup plus haut que ce que je pensais, mon cher ami. Ah, bref. Grim, mon pote, ça va? Ça fait des lustres que je t'ai plus réaffronté. J'espère que je vais pas me planter contre ta forme du cauchemar, parce que je ne t'ai plus retabassé depuis tellement longtemps. Et vous savez, c'est comme ça que vous vous faites avoir. Vous dites, ouais, mais je le maîtrise, et puis, whoops, c'est lui qui m'a buté. Bon, Grim, ça me surprendrait qu'il me tue. Je veux pas non plus me la jouer en mode je me la pète, mais oh, c'est pas Grim qui m'inquiète. C'est plus la version qui fait double dégâts. Mais c'est pas qu'elle m'inquiète, c'est plus que ouais. Normalement, donc, j'ai fait ce Panthéon une seule fois dans ma vie. Jusque là, j'entends. Ah, c'était le mode... j'ai déjà fini celui du chevalier, c'était lourd, c'était épuisant. Parce que j'étais une quiche à l'époque, et je suis une quiche toujours aujourd'hui. Eh ben, t'as pas envie de barrer, mon cher ami. Mais disons que j'étais déjà content de l'avoir passé, et comme j'avais enchaîné deux parties à la suite, parce que ben j'avais pris la mauvaise décision... waouh, comment je me suis fait toucher. Comme j'avais pris la mauvaise décision durant la quête de Grim, où, vous savez, j'aurais pu... Et vous pouviez choisir entre arrêter le rituel ou... ou le continuer, et j'avais demandé à l'arrêter, parce que j'avais pas compris que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ah, j'ai fait une autre partie. Donc, quand je suis arrivé sur ce Panthéon, je me suis dit une tentative. Je suis allé super loin, même si j'ai failli crever horriblement à de nombreuses reprises. Ça, on va pas le cacher. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement... ah, je suis allé jusqu'à Marcos, j'ai essayé de passer en grosse brute et je suis mort sur le boss juste après parce que j'avais plus de vie. Alors ceci est spécial par contre. De temps en temps, on va avoir une salle où on n'a pas de combat, mais on a un petit peu d'informations sur d'autres dieux qui ne sont pas hostiles. Parce que je sais que c'est choquant, mais tout dans ce monde ne veut pas notre peau. Juste 95% des choses. Dieu endormi, nous pouvons à peine percevoir ta présence dans la verdure qui persiste encore. La force que tu possédais autrefois s'estompe avec le temps et les fréquences. Un tel pouvoir magnifique, même en déclin, si seulement je pouvais apprendre à devenir si impressionnante. Dieu endormi, t'y voir comme t'y as existé, avec la terre, les rêves et la dévotion, nous donnerions notre esprit. Ah, donc ceci est une, ou un, ou je sais pas comment ça se prononce, celui qui nous a donné le charme du même nom, qui est celui qui est a priori le dieu de Verschemin et qui a rêvé la végétation. Et la raison pour laquelle apparemment tous ces fidèles sont en train de péter leur câble, c'est parce qu'il allait dormir. Peut-être pour fuir Radiance, peut-être pour d'autres raisons, peut-être qu'il est vieux et qu'il est en train de mourir et qu'il dort pour essayer de maintenir sa vie le plus longtemps possible.
Je sais pas. Mais on va voir quelques salles comme ça tendre. Waouh. Vous étiez l'avant-dernier combat dans le Panthéon du Chevalier. Ici, vous êtes... Je sais même pas où vous êtes. Mi-chemin? Le tiers? Le quart? Non, pas le quart. On va quand même pas exagérer. J'ai pu constater qu'il y a un aspect que j'aime pas, mais que je pense que tout le monde n'aime pas de toute façon avec eux. Autre que côté un petit peu aléatoire, c'est le côté lent de ce combat, parce que s'ils se mettent à faire leur roulade constamment, vous pouvez quasiment plus les attaquer à part avec des sorts. Et sans surprise, les sorts, vous en avez un peu besoin pour d'autres choses. Enfin, pour du soin, quoi, mais... C'est vrai. Pff, mauvaise direction. Les sorts, malheureusement, j'ai essayé de les intégrer un petit peu plus, mais je tends à n'utiliser que deux, principalement. Si on accepte le soin, qui compte pas vraiment pour moi, parce que c'est moins un sort que, ben, une sorte de capacité générique que vous avez depuis le début. Et aussi, voilà, cette espèce de roulade en arrière que, normalement, j'ai dû mentionner au moins une fois. À chaque fois, quand ils donnent l'impression qu'ils roulent, et qu'ils roulent et qu'ils sont bloqués au fond, c'est pas qu'ils sont bloqués, c'est qu'ils font une roulade en arrière, et c'est lourd. Mais bon. Mais ouais, l'un des sorts les plus puissants du jeu, qui est celui-ci. Sincèrement, il faudrait que j'apprenne à l'utiliser, mais je le fais jamais. Parce que le problème, c'est que ça réclame quand même une certaine maîtrise de son timing. Et il peut rendre certains combats beaucoup plus simples. Et malheureusement, ben, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment essayé de faire. Et c'est pareil pour les techniques. Même si je mentionne souvent que l'entaille implacable, voilà, j'ai essayé de la montrer et ça m'a coûté cher. Enfin, cher, ça m'a coûté un masque bleu. Ils reviennent pas tout seul, vous savez. Même si je mentionne que l'entaille implacable est la plus puissante, je veux dire, contre certains boss comme ceci, par exemple, le cyclone n'est pas mauvais non plus. Puisque s'ils restent immobiles, vous pouvez leur caser du dégât, etc. Mais... Et le cyclone est plus puissant. Ah oui, oui. Umu a changé, surtout parce que désormais, on n'a pas de... Normalement, on avait de l'acide. Et maintenant, on n'en a plus. Donc si on touche le sol, on prend des dégâts. C'est à peu près le seul changement. Pour le reste, ça reste une cochonnerie. Puisque vous êtes obligé d'attendre qu'il invoque. Puis, vous devez espérer que ces attaques vont pas vous empêcher de pouvoir balancer... Genre là, par exemple. Parce que moi, je veux faire ça, mais sa cochonnerie d'attaque a fait que j'avais jamais la possibilité. Alors, vous pouvez vous soigner régulièrement, et vous pouvez régénérer votre âme comme ça, même si, bon, là, bien sûr, voilà, c'était pas... Et après le combat, vous pouvez même essayer de régénérer votre âme sous ces cochonneries. Même si c'est pas le plus facile. Donc, il est pas trop lourd, mais c'est définitivement un des plus... nazes. Ornette est déjà là, qu'est-ce qui arrive à ton coup? Non! Eh oui, parce que de tous les boss qui avaient besoin d'une nouvelle forme, Nosk était définitivement d'entre eux. J'aime pas énormément Nosk. Je n'aime pas énormément Nosk 2, le retour, parce que c'est littéralement l'espèce de moustique géant. Il a exactement les mêmes attaques, mais en plus, il invoque ses ballons de machin chose à la place. Il est plus simple à gérer, je trouve, que Nosk normal. Parce que la difficulté de Nosk... Bon, par contre, j'ai vraiment du mal à passer de... faut juste réussir à passer comme ça, mais bon. C'est aussi parce qu'il a une hitbox un petit peu plus space. Mais... Autrement, il n'est pas si dangereux. Quack. Oh, t'as toujours cette attaque-là, tiens. Marrant. Stupide, mais marrant. Bah, ça change rien, il balance déjà ses orbes un peu de la même manière. Donc. Je vois pas la différence. Oh oh.
Je sais pas pourquoi, excusez. Je pense que... Je sais pas si ils aiment Nosk et que... Ils sont tristes que personne d'autre ne l'apprécie. Si c'est juste qu'ils se disaient, tiens, on pourrait faire ça parce que c'est drôle. Ou si c'était parce qu'ils se sont dit, on va casser les pieds aux gens, ou j'en sais rien, ils avaient pas d'idée, ils se sont dit un reskin, ça peut être marrant. Et ça représente pas beaucoup d'efforts dans ce temps-là. Voilà. Mais... Ah, voilà, enfin. Donc désormais, on aura aussi lui de disponible dans le hall des dieux ou salle des dieux ou je sais pas quoi, et on peut taper le masque de... Oh, mais pas de merde. Pour l'affronter à volonté. Eh, hey, Sly, comment ça va, grand maître de l'aiguillon? Ça fait longtemps que je t'ai pas affronté aussi, toi. Et je peux confirmer que son entaille implacable, celle-là, inflige 2 de dégâts. Je crois pas que les autres le fassent. Puisque, essentiellement, celle-là le laisse immobile, là où toutes les autres, non. Raté. Oula. Non, je vais te taper dessus. Ok, c'était stupide. Ok, du calme, maître. Oh. Ils ont vraiment préparé, mais... Mes arts de l'aiguillon contre lui. L'entaille implacable le défonce super vite dans cette forme. Parce qu'il n'y a pas tant de vie que ça. Mais malheureusement, lorsque je presse un bouton, je me retrouve à être moins efficace pour presser les autres. Ce qui est probablement la raison pour laquelle j'arrive vraiment pas à intégrer les arts de l'aiguillon dans mon style plus que ça. Les sorts, ouais, c'est bon, ça va. C'est vous presser le bouton une fois avec une direction fixe. Oh, allez au diable avec vos paras. Vous croyez dans quoi, Smash Bros? Parce que j'ai perdu un bon nombre de combats contre le vaisseau pur parce qu'il a fait une parade exactement au moment où ça mangeait le moins dans le concept. Ouh, j'ai esquivé une attaque, j'ai droit à une ouverture. Non. Ah, écoute, tu fais chat, moi je fais soin. Tu fais chat, moi je fais ça. Et... Ah! Je sais pas... Est-ce que ma manette est en train de mourir? Est-ce que c'est la croix directionnelle qui est en train d'exploser? Parce que j'ai beaucoup de fois où le jeu semble détecter... Apparemment, je pointe vers le haut ou le bas et je le fais pas vraiment. Oula. Donc, c'est un peu dommage par contre qu'on peut pas lui renvoyer ses épines dans la tête. Donc, vous savez, vous tapez dessus et si ça le touche, ça lui inflige du dégât. Mais je crois qu'arrivé là, on commence à être dans la partie un peu plus délicate du Panthéon. Genre, le jeu va vous balancer les pierres les uns à la suite des autres. Donc, ben, allons se faire massacrer joyeusement la tête. Donc, on commence avec du double dégât avec Monsieur Furieux. Lui que j'aime pas énormément, parce que quand il invoque ses lasers, il y a des fois où je trouve que... Comme vous pouvez pas vraiment savoir s'il va sauter ou balancer son rayon, ben vous pouvez vous mettre en mode « je veux commencer à anticiper » et vous avez les lasers d'un côté et lui qui saute de l'autre et vous êtes touché coulé de MV.
Ah, mon cher proche, disparu avec un S. Oups. Mais je trouve qu'ils ont un peu abusé avec le nombre de trucs qu'ils donnent, là. Ah, j'avais pas récupéré ma... Lui, je suis pas prêt de le passer en radiance, oh là là. Note, je ne passerai jamais rien en radiance. Parce que j'en ai aucune envie. Radiance réclame. Pourquoi bon, je crois que j'ai déjà dit ça, je vais avoir le droit à l'erreur, parce que c'est ma spécialité. NON! Donc pour sans yeux, désormais tout est bourré de pics. Et vous avez moins d'endroits où vous planquez. Parce que l'avantage de sans yeux dans le combat, c'est que vous aviez au moins certains endroits où vous pouviez vous caser. Sérieusement, j'ai perdu le contrôle à cause du fait que j'ai été touché et cette perte de contrôle a fait que je suis tombé en plein milieu d'autres ennemis pour prendre un autre coup gratuit. Je ne veux même pas imaginer ce combat en radio. Lui, j'ai arrêté de passer au travers parce que j'ai découvert que si je n'ai pas mon bonus de portée, je ne peux pas récupérer la ruée des ombres avant qu'il fasse une autre charge. Donc j'ai pris l'habitude de juste sauter par-dessus, parce que c'est plus sûr. Parce que devinez quoi, mourir sur lui, c'est naze. Je ne suis jamais mort sur lui. Dans cette partie, du moins. Mais ça m'est arrivé d'être proche, et quand vous essayez d'affronter le vaisseau pur pour enfin passer le Panthéon sans les charmes, prendre 4 de dégâts ou 6 sur lui, juste parce que vous pensiez que vous pourriez faire une esquive au travers et que non, et qu'il vous faut 10 ans pour le tuer parce que vous n'avez ni portée ni dégâts bonus, eh ben voilà, j'ai arrêté de faire le clone. Mais c'était classe quand même avant. Toi, je t'ai affronté plus que ce que je ne désirerais, pour être tout à fait honnête. Alors, je me suis idéalement un peu amélioré à t'affronter, Chewbacca. Ouais, pas fini. Je ne suis pas un evil boss. Baka. Baka! Dans cette forme-là, j'avais essayé un moment de balancer des entailles puissantes ou je sais plus quoi. Ne le faites pas. Parce que moi, ça me repoussait à chaque fois dans les espèces de sphères qui balancent. Et ça faisait que je me prenais un goût. Là, celle qui est pile derrière, au line. Non, il va... Aussi, j'ai pu confirmer que Itan a essayé de viser avec ses tirs. Parce qu'il y a des fois où j'essayais de me soigner quand il commence à les jeter, et la première me tombait toujours quasiment dessus. Un autre, non, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais d'un autre côté, je pense que... J'ose espérer m'être amélioré depuis la dernière fois que j'ai fait ça il y a 3 ans? 5 ans? Pourquoi je pense à 3 ans? Ah, je sais plus. Parce que il me semble que je dis que j'avais pas joué depuis 3 ans, mais ça fait vraiment 3 ans, ça fait plus. Bon. Là, maintenant, on a même de la plateforme, parce que j'en sais rien, et nous avons un dieu qu'on devrait connaître un tout petit peu. T'as quoi à dire? Honte, tragédie. Ce dieu majestueux a réussi à échapper si facilement à notre fréquence. Nous ne vivons que pour servir les dieux, pour les chercher. Pourquoi te restes-tu à nous? Comment réussit-il à t'y dissimuler?
Cette chose s'est dissimulée belle de son propre choix. Oh, être majestueux, nous t'y prions de t'y révéler, notre esprit est moindre, senti dedans. Mère pâle, nous osons à peine penser, nos rencontres se font rares, mais t'y résonance pourrait-il être l'un d'eux? L'un d'entre eux? Qu'est-ce que c'est l'un d'entre eux? Aucune idée. Peut-être une force de la nature, peut-être je sais pas quoi. Donc ici, il est bien entendu, je pense évident que la raison pour laquelle la chercheuse de Dieu n'arrive pas à entrer en résonance avec la Dame Blanche est parce que celle-ci s'est scellée d'elle-même en guise de punition pour avoir participé au plan du roi pâle pour créer les vaisseaux qui impliquaient de plus ou moins avoir des milliers, sinon des milliers d'enfants, de tous les balancer dans une zone où ils allaient mourir et être et renaître sous la forme de ce qu'on est là, à savoir une entité qui est plus ou moins spectrale entre guillemets. Je veux dire, c'est pas pour rien que Ornette nous appelle un fantôme. Et c'est un peu un gâchis considérable de vie. Donc, ouais, je peux comprendre qu'elle aborde. Oh, toi d'abord? L'ordre est tellement étrange. Parce que lui, c'était le dernier du Panthéon du Chevalier. Et le chevalier méprisé, qui aurait dû s'appeler le champion raté, a été un peu au milieu. Et là, maintenant, il est beaucoup plus tard. Alors, c'est relativement moche, parce que je pense que le tyran de l'âme est beaucoup plus simple que le... Enfin, il n'est pas beaucoup plus simple, nécessairement, mais j'aurais dit qu'il est beaucoup moins punitif, parce qu'il fait que du 1 de dégâts, et vous pouvez vous soigner à plusieurs moments durant son... durant le combat, alors que c'est beaucoup moins le cas contre notre ami le chevalier méprisé, ou un peu trop de malchance, ou du... Oh, c'est vrai d'avoir touché là-dessus, surtout que c'est même pas ce que j'avais essayé de faire. Mais bon. Ah, trop loin. Lui, c'est vrai qu'il laisse que dalle de temps pour l'atteindre, en général. Mais bon. Hein ? T'as esquivé pour te prendre quand même. Pas envie de me prendre deux coups. Si je peux essayer d'économiser mes masques bleus, je le fais. Est-ce que je vais y arriver est une autre question. Non, je vais pas faire. Normalement, j'essaierai de le toucher pendant qu'il descend. Mais le problème, c'est que c'est... Ben, les probabilités que j'y arrive sont relativement réduites. Non. Je m'y prends mal. J'ai juste gardé un masque. Ouais. Donc honnêtement, ça peut signifier que si besoin, autant que je passe sur l'entaille rapide pour accélérer les combats. Non. Je te hais, toi et toute ta famille. Donc pour Marcos, c'est très très simple, ils ont retiré le sol. Je sais plus, j'avais dit qu'il y avait des épines partout, je pense que je confondais avec sans yeux si je l'ai dit. Mais ils ont retiré le sol, qui était bien entendu... Non ! La meilleure zone où l'affronter. Et celui-ci est la cause de ma mort. Donc c'est celui que j'avais même pas affronté. Ok, moitié de PV. J'avais même pas affronté le chevalier méprisé la dernière fois que j'avais fait cette série de combats. Waouh ! Malheureusement, ça m'arrange pas ton histoire, Coco. Après, t'es probablement pas là pour ça. J'avais espéré qu'ils se mettent un peu au-dessus d'une plateforme. Aïe. Pas ce que je voulais faire. Ah bah là, il est au-dessus d'une plateforme. Hop là. Par contre, j'ai plus d'âme. Et je peux pas me soigner. Mais il est mort. Et j'ai beaucoup plus de vie que la dernière fois que j'ai fait ça. La première fois, je l'avais
Face Tank, j'avais juste pris des coups pour le tuer vite, et je suis mort contre lui. Ce qui est la raison pour laquelle je n'aime pas Azoth. Enfin, Prince Kryzoth avec toutes ses... avec ses 10 000 adjectifs. Oh wow, j'ai eu du bol quand il est contre un. Va-t'en avec ton football, j'ai eu du bol, il est tombé. Ah! Tu peux te casser la figure que je puisse me soigner? Tant pis. Avec 1, 2, 3. Il doit être loin d'y passer, non? Quack. Est-ce que j'ai détruit l'autre en le balançant contre le mur? Bon, ben je suis officiellement allé plus loin que ce que j'ai jamais fait de toute ma vie, ce qui est ben... Parce que j'ai fait ça qu'une fois, donc. Et voilà le... Ouais, d'accord, t'étais le suivant. Pourquoi t'es aussi tard? Lui, maintenant, je déteste cette attaque où il recule comme ça, parce que... J'ose pas l'attaquer. Voilà. Mais désormais, quand il est ici, donc... Vous pouvez ne pas l'attaquer du tout et en profiter pour vous régénérer. Au bout de 5 secondes, il va sortir de cette phase, donc c'est comme si vous aviez rien fait. Mais en échange, si vous utilisez l'aiguillon des rêves, apparemment, ça réinitialise le compteur. Et vous pouvez ainsi régénérer avec... enfin, vous soigner. Et utiliser l'aiguillon des rêves pour remonter un peu à volonté. C'est super fort. Et ça peut aider à finir avec pas mal de... tout ce que vous voulez. Bien sûr, quand il est à terre comme ça, pareil, on peut remonter notre âme au max. J'ai dit au max. Son armure pense que c'est lui le plus fort. C'est pas lui, hein. Et te voilà. Ok, concentration. Aussi, il y a cette musique-ci à la place qui m'attriste à moitié. Oh, sérieusement? Je pense avoir dit que j'ai à moitié oublié comment on l'affronte, parce que je l'ai plus affronté depuis un moment, ce qui est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de partir avec un avec des charmes un petit peu plus défensifs. Parce que d'habitude, je reconnais que je suis plus agressif, ce qui n'est normalement pas mon style, je suis plus de genre défensif quand je peux choisir. Mais dans Hollow Knight, défensif devient vite insuffisant, je trouve. Donc faut vraiment maîtriser pour être pur offensif. Révélation, ma sœur, je ne maîtrise pas. Je me sens un peu bloqué. Ouf, là c'était vraiment juste. J'aurais pas dû le faire comme ça. Citrouille, ouais, citrouille. Mauvaise estimation d'attaque. Et là, c'est le moment où je fais n'importe quoi et je meurs. Oh! Oh!
Et ceci est le prix à payer pour user vos sorts. Non. Je vais réellement réussir à crever contre Grimm. Oui. Donc malheureusement, ceci était prévisible. J'ai pas réaffronté Grimm depuis des lustres. Ah, malheureusement, il devait être à 3-4 coups de mourir. Je suis vraiment déçu, mais bon. Donc après Grimm, je crois, on avait un autre baron. Puis ensuite, on avait le vaisseau pur, parce que je crois qu'il n'y a plus que lui. Et ensuite, j'avais une chance de pouvoir débloquer le boss qui était après. Là, comme je suis mort, ben, j'ai vu qu'il a tout recommencé depuis le début. Donc, malheureusement, c'est la vie, mais c'est ainsi. Donc, ce que je vais faire, de mon côté, c'est que je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse faire, malheureusement. Je vais ouvrir ce passage secret sans intérêt qui se trouvait ici, parce que j'en sais rien, il était là. C'est-à-dire, je vois pas pourquoi il est là. À part peut-être pour que vous puissiez remonter là où vous passiez mort, j'imagine. Et je suppose que je vais aller retabasser la tronche de Grimm un bon paquet de fois, et je vais retenter de mon côté. Ah, et je vais essayer d'atteindre le bourg du Panthéon de mon côté, parce que je pense pas que ça vous intéresse particulièrement de me voir refaire ces trucs en bourg. Je vais probablement entraîner un petit peu contre Noskele et les dames mantes, enfin les sœurs d'armes, parce que j'ai autant... Mais là, pour le moment, c'est à peu près tout ce que ça va être. Ça doit faire déjà un long épisode, donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc avec ça, je vous retrouverai la prochaine fois, une fois que j'aurai réussi à ne pas crever sur un boss que je supposais maîtriser à la perfection, et que, bien entendu, je deviens nul dès que c'est important. Donc d'ici là, ciao.